Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un arrivage. Donc c'est vrai que c'est pas le style de vidéo que je fais sur ma chaîne, mais je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plairait, parce que j'ai un maxillo et qu'en ce moment il y a pas mal de petites pépites. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a, surtout les décorations de Noël, les jouets de Noël. Je vous montrerai quelques petits accessoires, s'il y a encore des bougies, et donc le make-up. Et si je vois que vous aimez, eh ben je reviendrai assez souvent pour vous faire des arrivages assez souvent sur Maxilo. Maxilo, c'est un peu comme Noz, tous ces magasins de déstockage, Stockomanie et bien d'autres que je ne connais pas, puisque moi dans mon département je n'ai que Maxilo. Donc c'est parti et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer par les décos. Alors, comme je vous ai dit, ils ont toute la déco de Noël. Donc là on a les nœuds à 1,99. Donc tout ce qui est nœud, tout ce qui est petit bois de sapin. Les nœuds ils sont juste ici. Et on a les petits papas Noël. Donc là je vais vous montrer tout ce qui est Noël. On a tout ce qui est boule de Noël, donc 3,99. On les a en rouge, 3,99. On a des petites boules à 2,69. On a les licornes, comme je disais, il y avait pas mal de figurines. Donc voilà les petites figurines, les petites licornes, elles sont trop belles. Donc les petites licornes, elles sont à combien? Elles sont à 7,95. Alors là, il y a des prix qui sont affichés ici et d'autres qui sont affichés sur les packagings. On a des petits Père Noël qui sont à 2,19. On a des boules blanches comme ceci. Donc les petites boules blanches, elles sont à 3,99. Pareil. On a d'autres décos à 3,99. Des petits papas Noël, 1,50€. Donc ça c'est à accrocher. Ensuite on a plein de petites figurines comme ceci à accrocher sur le sapin, 1,99€. Des boules de Noël, elles sont trop belles avec les petites paillettes. Franchement elles sont trop belles. Voilà. Donc pareil, là on a un petit ourson, 1,69€. Ensuite, on a donc des petites décos de table. Ça, ça peut servir. 0,99€. On les a en blanc, on les a en argenté. On a ça aussi. Voilà, 2,99€. On a ceci aussi pour accrocher au sapin à 1,99€. Des petites sucettes à 1,59€. Il y a vraiment plein de choses, je vous l'ai dit. Hein. Donc ensuite, il y a les décorations pour mettre sur les fenêtres à 1,39€. On en a d'autres qui sont comme ça à 1,39€ aussi. On a d'autres boules. Et ça, c'est un verre. Et apparemment, celui-là, ils ont un effet lumineux. Et celui-ci est à 1,99€. Donc là, c'est pour apposer ou pour accrocher. Et là, on a des petites boules de Noël. Comme ceci, 0,89€. Ensuite, on a tout ce qui est guirlande, 79€. En blanc. Plein d'autres petites décorations. Franchement, voilà. En bois, comme ceci, à 0,89€. On a des petits portants de Noël comme ça, c'est trop joli. Par contre, là, il n'y a pas le prix. 3,95€. Voilà. On l'a ici. Ce que j'ai acheté, que je vous ai montré dans le haul, vous voyez, on les a en argenté et en doré à 1,79€.
Après, on a des petits chapeaux de Noël à 1,99€. Voilà, d'autres décorations, 2,99€. On en a des comme ça aussi à 2,99€. Et on a des petites boules comme ça. Par contre, là, il n'y a pas le prix. Là, il n'y a pas le prix. Voilà. Donc, il y a d'autres décorations derrière. Je vais vous montrer juste après. Et là, je vais vous montrer les jouets. Alors là, ils ont des souris. Elles sont gigantesques, leurs souris. Au prix de 19,95€. Donc, là, la souris, comment elle est ? On va faire 50 cm. Voilà. À poser au coin du sapin. Ça, c'est pas mal. Elle est très jolie. Il y a des gros sacs comme ceci qu'on peut mettre sur le sapin, à côté du sapin, pour mettre les jouets. Ça, c'est super génial. Par contre, le tarif. Je sais pas. Il n'y a pas le tarif. Il doit être bien cher. Au niveau jouets, je vous l'ai dit, ils ont des arrivages de jouets. Donc là, on a Light Pony. Donc ça, toutes les petites filles connaissent. Hein. 20,95€. Voilà, donc là c'est le grand château, donc c'est vraiment très très bien. Et ensuite on a les poupées, comme je vous ai dit, les poupées qui sont ici au prix de 24,95€. Donc c'est la Baby Alive, donc avec le petit pot, appuie sur mon ventre, donc elle fait pipi pour de vrai. Voilà, vous l'avez en brune, en blonde, et après il y en a une autre, donc là elle est à 24,95€. Et celle-ci, elle mange apparemment. Ah ouais, il y a de la pâte à modeler, donc elle mange. Vous l'avez en blonde, vous l'avez en version black. Et là, c'est les mêmes. C'est les mêmes en haut. Là, c'est rayon garçon. Moi, les garçons, je m'y connais pas. Voilà. Donc, il y a des petits pistolets comme ceci. Ils n'ont pas mis les tarifs encore, surtout. Hein. Donc. Il y a ceci pour ceux qui connaissent à 13,95€. Il y a le gros pistolet à 29,95€. Je crois que c'est les Transformers, ça je crois. Donc 20,95€. Voilà. Je crois que ça se change en voiture. Alors ça c'est encore des pistolets. Il y en a d'autres. Ouais, c'est les Transformers. Donc vous avez aussi celui-ci. Mais celui-là, il est moins cher, il a 13,95€. Ensuite, vous avez les voitures ici, donc un peu comme les Playmobil ou les Lego, à 6,95€. Vous avez donc la voiture, l'avion et la voiture de course ici. Et vous avez le gros ici. Alors, il s'appelle des lumières. C'est les laser PEG à 14,95€. Et vous avez aussi l'araignée à 6,95€. Et vous avez l'excavator aussi. Et encore, on a des pistolets. Et ici, on a des maisons un peu comme les Pet Shop. Hein. Voilà, et elles sont à 14,95€. Et vous avez un petit Pet Shop ici. Donc pour toutes celles qui aiment les Pet Shop, les petites filles, ça c'est cool. Et puis on a encore des pistolets. Alors n'hésitez pas à aller dans votre Maxilo pour regarder les arrivages de jouets. Là, c'est les pistolets à eau à 4,95€. Dans mon haul aussi, je vous ai parlé des Lockstar, les petits cadenas. C'est ça. C'est des petits cadenas, donc ils sont à 1,95€ alors que normalement ça coûte 7 ou 8 euros. Donc vous voyez, il y en a plein. Donc ça permet de fermer, ça se met dans les chaussures, sur les sacs à dos, vous voyez, ça fait des décorations. Alors ils ont une petite clé et voilà, ils les mettent sous les chaussures, c'est la mode. Donc là, ils sont à 1,95€. Donc bien sûr, vous en avez plein. Hein. Voilà, des bleus et des roses. Niveau jouets, c'est tout ce que je vais vous montrer. Il y aura une deuxième partie parce que, comme vous pouvez voir, ils ont eu un arrivage de chaussettes, de collants, de hauts. Donc ça, je vous en referai une vidéo deuxième partie. Là, je vais vous montrer la suite des arrivages de Noël et on va finir avec le make-up.
Alors à Noël on continue. Là vous avez encore des guirlandes. Donc 1,89 de toutes couleurs. Là je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une espèce de nuage à 7,95. Je pense que c'est pour planter le sapin ou alors peut-être pour faire une déco. Voilà, c'est tout blanc. Donc si vous savez, vous me mettez en commentaire. Alors on a les petites figurines comme ceci que je vous ai montré à l'entrée. Voilà, donc à 2,19. Les petites boules d'entrée qui étaient beaucoup plus importantes, là on les a mini à 1,19. Voilà. Ensuite on a les gros nœuds. Ils sont trop beaux à 1,99. Je vous ai dit, ils ont pas mal de décorations, trop jolies pour Noël. Ensuite, je vous avais dit, ils avaient pas mal de figurines. Donc je vous ai montré à l'entrée. Voilà. Donc 6,95. Voilà, et on a aussi ceux-là. Voilà, ils sont trop beaux, les petits pingouins. Ensuite, on en a d'autres qui sont beaucoup plus gros. Voilà, le gros bonhomme de neige. Et celui-ci, il est à 12,69. Donc, vous l'avez en version rose ou vous l'avez en version blanc. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Alors là, c'est les décorations un peu en bois. Donc, c'est ce que j'ai acheté et que je vous ai montré. Les petits sapins à 99 centimes. Donc, vous avez en plusieurs couleurs. Donc, rose, doré et rouge. Ensuite, vous avez des décorations comme ceci à suspendre à 1,99. Vous avez les gros pommes de pin en bois à 16,99. Vous voyez ? Franchement, c'est trop joli. Les gens vont commencer à faire les décos. Hein. On a les petites pommes de pin à 1,29. Ensuite, on a d'autres bonhommes de neige. Je pense que c'est les mêmes de l'entrée. 1,99. On a les... Je ne cherche pas comment ça s'appelle. C'est un terme, c'est un nom. Ça doit faire de la lumière. Ils sont à 8,95. Oui, c'est très joli. Donc je pense qu'il y a des piles dessous. Voilà, vous avez des piles. Ça doit faire de la lumière. On a d'autres guirlandes ici. 1,99. On en a avec des plumes. Donc, est-ce que les plumes sont plus chères? Ouais. Elles sont à 2,99. Elles sont en plumes avec de l'argenté. On a d'autres décorations aussi. Je vous ai dit, ils ont plein de choses. Donc, des décorations comme ceci. Donc ceux-là, ils sont à combien? Il y a certains tarifs qui n'y sont pas. Moi, je vais le dire parce que les tarifs qui ne sont pas, ça tournait entre 2 ou 3 euros. On a d'autres décorations, voilà, avec de la lumière. Ceux-là, ils sont à 2,80. Et ici, on en a d'autres avec un petit ange. Trop joli. Voilà, et c'est ouvert. On en a d'autres. Hein. 1,99. On a des ensembles de guirlandes lumineuses à 2,79. D'autres décorations. Voilà. 2,95. On a les petits Papa Noël comme ceci. Ils sont à 10,95. Vous avez en gris et vous avez en rouge. Et puis après, des petits pommes de pin. Des petits pommes de pin pour décorer le sapin à 2,69. On a d'autres décos avec un petit nounou. Ça, c'est bien quand on a un petit bébé. Donc, 1,99. Des petits sujets de Noël, 1,59. On a les nœuds en rouge, 1,69. En blanc. On a les dessous de table, je vous l'ai dit, je l'ai acheté en argenté en forme de rond. Mais vous l'avez aussi en forme de feuille. Et ils sont à 1,59. Ensuite, il y a d'autres décorations. Donc, toutes les décorations un peu en bois, je l'avais dit. Ça, c'était super joli avec la petite bougie à l'intérieur. Donc, ça, je crois que c'est 4,99. Vous voyez, ils sont vraiment très jolis. Vous les avez en plusieurs couleurs.
encore des produits comme ceci, voilà, en forme de cœur. On a d'autres guirlandes comme ceci, plus petites, à 1,99 lumineuses. On a les grosses poupées aussi, pour ceux qui aiment. Voilà, donc cette poupée ici, qui est au prix de 19,95. On a plein d'autres décorations, franchement, allez-y. C'est vraiment pas cher. Voilà, franchement, on peut retrouver vraiment de jolies, jolies choses. Des petits nounours, pareil, à 1,99. On a des boules de neige à 1,69. Des boules de Noël, voilà, 2,99. Les boules que je vous ai montrées à l'entrée avec des paillettes, ça c'est très original, 1,19 pièce. On a des petites boules de Noël comme ceci, voilà, 96 centimes. On a les étoiles qu'on met au-dessus du sapin, donc ils sont au prix de 0,99 centimes. Non, 1,59. 1,59. D'autres sapins comme ceci, voilà. Et ceux-là sont un peu plus chers, ils sont à 1,49. D'autres boules rouges avec des étoiles. Donc ceux-ci sont à 1,29. Voilà, bon, franchement, je vous laisse regarder la suite. Et on va finir avec les petits sacs de Noël à 1,95. Voilà, franchement, allez à Maxilo parce qu'ils ont sorti vraiment plein de choses pour Noël. Guirlandes, vous voyez, il y en a d'autres à 1,69. Il y a même les habits pour chiens. Voilà, ceux qui ont des petits chiens, des petits chats et qui veulent les habiller en Noël, 4,99. Alors, c'est uniquement pour les chats. Voilà, tout ce qui est décoration de Noël. Donc, allez à votre Maxilo si vous en avez un près de chez vous. Alors, au niveau make-up, il y a des petites boîtes comme ceci. Alors, il y en a une, je crois, qui a écrit make-up. C'est des petites boîtes à 2,49 où vous pouvez ranger. Alors, il y en a une, c'est écrit make-up, mais vous pouvez ranger ce que vous voulez. Donc, vous avez des petites boîtes comme ceci. Carrés comme ceci qui sont à 2,49. Vous en avez d'autres comme ceci à 1,92. Et vous en avez des plus grandes comme ceci à 2,95. Alors, on va finir avec le make-up. Je vous l'ai dit, ils ont eu un arrivage de la marque P2. Mais pas que, parce que il y a aussi des pinceaux. Donc les petits pinceaux comme ceci sont à 1,95. Donc la marque, c'est la marque Yours Makeup Forever. Voilà. Alors j'ai mis des gants, oui, parce que dans le make-up, souvent, il y a des produits qui sont ouverts. Donc voilà, j'ai mis des gants. Donc petit, moyen pinceau, grand pinceau. Alors les petits, les moyens sont à 1,95 et les gros, je pense que c'est ceux-là. Les gros sont à 2,95. Voilà, je me suis trompée. Donc ceux-là sont à 2,95. Et il y a ceux-là qui sont à 1,95, voilà. Donc ça, c'est des pinceaux plats, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, on a d'autres pinceaux, voilà. Ensuite, ils ont une lime électrique à 2,95 avec des embouts. Ils ont donc l'arrivage, comme je vous ai dit, des arrivages de P2. Donc P2, on a tout ce qui est vernis. Mais il n'y a pas que du P2 dedans. Hein. Je pense qu'il y a du L'Oréal aussi dedans. Donc là, c'est du fond de teint, c'est ici. Bon, là, pour l'instant, je vois que du P2. Voilà, donc là, il y a tout ce qui est vernis. Et les vernis, je crois qu'il y a le prix dessus. 1,39. Alors, est-ce qu'ils sont tous à 1,39? Je sais pas. Oui, 1,39.
Non, pas tous. Il y en a 1 €. Bon, soit, voilà. J'avais un arrivage de vernis à ongles à 1,39 € ou 1 €. Et ensuite, je vous ai dit, il y a la marque P2, donc c'est une marque allemande. Donc là, pareil. Franchement, ça vaut le coup. Donc on a des fards mono, on a des fards crème comme ceci en crayon, on a des fonds de teint. Dans le fond de teint, vous voyez, je l'ai dit, mais ils sont trop foncés. Donc moi, c'est là, il y a la teinte Oni, ils sont à 3,49 €. Et je crois qu'il n'y a que des teintes foncées. Là, vous voyez, il y a la teinte Sand, c'est beaucoup trop foncé. Oni. Shell, je crois que c'est plus clair. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Vous avez quoi? Des crayons, des aligners, je vous l'ai dit. Eyeliner, des rouges à lèvres, 1,50 €. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Il y a des fossiles, 1,39 €. Qu'est-ce qu'il y a? Des rouges à lèvres comme ceci, effet glossy, 1,50 €. Bon, voyez, il y a des primers comme ceci, mais c'est dommage parce que voilà, ils sont ouverts. C'est pour ça que je mets mes gants parce que c'est ouvert. Là, il y a un stick à 2,95 €, c'est un stick illuminateur. Voilà, donc vous avez pas mal de produits arrivage P2. Et on va finir sur le make-up, voilà. Et si vous avez aimé, ben, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour de prochains articles. Parce qu'ils ont un arrivage de Babyliss, ils ont un arrivage de chapeau et... de textile. Donc je vous retrouverai pour cette prochaine vidéo.